Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter en fait l'anniversaire que j'ai organisé pour ma fille pour ses 7 ans sur le thème des sirènes. Je n'ai pas eu l'occasion de filmer la première partie, c'est pour ça que je vous mets tout en photo. Et donc du coup, je vais vous présenter dans cette vidéo les différents cadeaux qu'elle a pu recevoir de la part des copains-copines. Tout d'abord, nous avons donc un lot de vernis à ongles qui est pailleté, qui est franchement magnifique. Donc on a différents coloris et ça rend super bien. Donc ils sont transparents et légèrement, en fait, légèrement colorés pailletés. Et dessus on peut rajouter les petits stickers. Donc ils sont vendus avec. Il y a différents motifs, hein, des petits cœurs, il y a des lunettes. Bref, il y a plein de choses bien sympathiques. Elle a eu également des chouchous qu'on peut également mettre autour du bras, comme des bracelets. C'est sympa aussi. Donc du coup, il y a différentes couleurs. Ceux-ci, ils ont été achetés chez Action. Il y a également ce serre-tête donc Marguerite qui est de couleur arc-en-ciel. Un petit journal intime donc avec un magnifique cheval dessus. J'avais pris ça pour une licorne au départ, mais non, il n'y a pas de corne sur la tête. Donc il est intitulé My Diary. Donc il est superbe, il est rose avec les pages à l'intérieur également rose avec un rappel du cheval en bas de chacune des pages, des petites fleurs en haut et le top dans ce journal c'est que du coup il y a quand même bien les lignes de manière à permettre à l'enfant d'écrire droit. Là, vous avez le petit œuf licorne, donc c'est trop mignon. Franchement, j'ai craqué dessus en magasin, donc celui-là, je l'ai acheté aussi chez Action. C'est une petite licorne dans un œuf et vous avez plein de petits stickers que vous pouvez coller dessus. Donc ça permet en fait d'agrémenter au gré des envies de l'enfant. Donc vous avez différents modèles, différentes couleurs. Franchement, j'ai trouvé ça très sympa pour les cadeaux. Des copines. Vous avez également donc un rouge à lèvres qui est parfumé. Donc ce rouge à lèvres c'est Magic Lipstick Modélite qui a été offert par une de ses copines avec un super gel hydroalcoolique. Donc il a le parfum lilas et donc c'est le flacon hein, qui est uniquement coloré. Donc voilà, il sent très très bon en tous les cas. Un joli roll pour le corps, donc qui est pailleté. Du coup, on peut s'en mettre très facilement, l'appliquer au niveau du corps. Deux petites boules de bain. Donc effervescente pour la première, la deuxième je suppose également, à tester à l'occasion. Il y a eu donc petite lampe fibre optique, donc qui est couleur bleue. Franchement ça j'adore, ça fait tout de suite très sympa et décorative dans une chambre ou dans une autre pièce. C'est top comme cadeau. Elle a reçu également une gourde qui est franchement super top de la marque Home Création Kitchen. Donc c'est un mug qui est isotherme et qui est en acier double paroi. Donc qui est top pour garder autant le chaud que le froid. Et vous permet également de pouvoir protéger donc l'espèce de paille en fait en la repliant. Et franchement les dessins sont super. Elle a eu celle avec les paresseux, le toucan, ça fait un petit peu jungle en fait. Vous avez également d'autres modèles dans le même style, notamment donc des modèles un peu plus simples, classiques, et un autre avec des fusées pour le thème garçon. Donc franchement, c'est vraiment idéal. Celle qu'elle a eue, elle fait une contenance de 300 ml, donc il y a quand même de quoi faire. Nous avons là la petite valisette. Franchement, celle-ci, quand je l'ai vue en magasin, j'ai craqué dessus. Donc je l'ai achetée à Intermarché, mais je pense que vous pouvez la retrouver un peu partout. Elle est toute douce, super agréable, donc modèle licorne, comme elle adore. Et donc du coup, ça permet de ranger toutes les petits accessoires qu'elle a reçus à son anniversaire. Donc le vernis, on peut y mettre le roll,
le gel hydroalcoolique, le stick à lèvres, également les boules effervescentes, bref, un petit peu tout, les bracelets, elle mettra en fait ce qu'elle voudra à l'intérieur ultérieurement. Donc ça fait une jolie petite valisette qu'elle peut transporter très facilement quand elle veut se déplacer ou se maquiller ou voilà, que ce soit dans sa chambre ou ailleurs. Et franchement, elle est magnifique avec les petits stickers au niveau des yeux qui sont pailletés, brillants, bleus et roses. Elle est vraiment magnifique. Elle a eu cette boîte également en forme de cœur et c'est avec de la mosaïque dessus. Franchement, c'est une super idée et elle est magnifique également. Le principe, c'est qu'il y a des numéros et à chaque numéro correspond une petite pastille, donc qu'elle soit ronde ou carrée, et l'enfant va venir les apposer dessus. Donc du coup, là, ma fille, elle avait commencé à le faire. Franchement, elle adore ce principe-là. Ça fait déjà deux ans, je crois, oui, qu'elle le pratique et franchement, elle adore. Donc là, elle avait mis ses petits stickers à l'intérieur. On a un miroir, donc elle pourra se maquiller et franchement, c'est vraiment super. C'est de la marque Sticky Mosaic et c'est à partir de 5 ans. Donc franchement, si vous avez un cadeau à faire ou autre pour une fille, n'hésitez pas, c'est vraiment une super idée cadeau. Là, il y a également une mallette, une boîte pour faire ses créations de bijoux à base de gel. Donc, le principe est génial. Nous, en pratique, je ne sais pas si on s'est loupé, mais en tout cas, ça n'a pas bien fonctionné. Elle a reçu également en décoration ce superbe support photo qui est réversible. Donc d'un côté, il est uniforme rose, le pourtour, et de l'autre côté, en fait, il est moucheté avec des petits points blancs. Également, donc sur le même principe de la mosaïque, elle a reçu des petits tableaux sur le thème sirène. Donc dans cette boîte-ci, il y a trois modèles de sirène. Donc comme on peut le voir, là, elle avait commencé également à les faire, parce qu'elle adore ça. Et donc du coup c'est de la marque Sycomore Stick and Fun, donc vous pouvez retrouver dans la majorité des magasins de jouets. Je vous mettrai tout en barre d'informations les liens que j'ai pu trouver sur internet, les magasins qui pouvaient vendre entre autres. Elle en avait eu un l'année dernière par exemple sur le thème des sirènes et franchement des licornes pardon, et elle avait adoré. Une autre super idée cadeau est également ce modèle de 1001 sequins, modèle papillon. Donc ça, c'est, elle n'en a jamais eu. Donc le principe, c'est d'avoir des petits sequins de plusieurs couleurs différentes. Donc je vous en montre quelques-uns en images. Et vous avez des petits clous qu'il va falloir passer à travers les petits trous au niveau des sequins, de manière à pouvoir du coup agrémenter le papillon. Ce papillon se trouve positionné donc sur une plaque en polystyrène. Donc comme ça l'enfant ne vient pas se piquer, c'est l'objectif, hein, et surtout c'est que ça permet de tenir le support. Donc comme on peut voir là, il y a une pailletée brillante plutôt, voilà, il y a eu jaune, il y a vert, il y a rouge, il y a, bon bref, elle avait fait différentes couleurs déjà, elle l'avait pas terminé. Mais franchement, c'est original et c'est une très bonne idée cadeau. Donc ça, c'est à partir de 6 ans, c'est la marque Lancet qui l'a réalisé. Alors ça, c'est des jolis coussins, c'est le top du top de la marque Kid Dye. C'est franchement génial. Vous avez donc des petits morceaux en tissu. Vous avez un poinçon et des accessoires, et après il faut les rentrer dans les trous préformés. Alors je peux même pas vous le montrer parce que du coup là elle l'avait déjà réalisé. Ça c'est le modèle tigre et elle avait déjà eu l'occasion de réaliser donc les modèles chien, licorne et le cœur dans la même collection. Donc vous pouvez aller voir sur internet, franchement ils ont des modèles top du top. Le serre-tête, donc licorne, qui va aller avec donc sa robe, une superbe robe que j'ai trouvée aussi sur internet et qui est franchement sublime, couleur arc-en-ciel avec des superbes fleurs.
et un voile qui met vraiment en valeur la robe. À l'arrière, on a donc deux lanières qui permettent en fait de faire un joli nœud et ça permet de cintrer la robe pour la mettre davantage en valeur. Je vous la montre portée sur ma fille, donc j'ai flouté, mis un sticker sur le visage car je ne souhaite pas qu'elle soit vue sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous fais un dernier petit tour en image des différents cadeaux qu'elle a reçus. Elle a été franchement pourri gâtée. J'espère que ça vous donnera des petites idées cadeaux pour des anniversaires, pour Noël ou voilà, pour faire tout simplement plaisir aux enfants autour de vous. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker celle-ci hein, et de vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir mes autres bons plans vidéo qui arriveront. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.